Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le haul Action, pas vraiment du mois parce qu'il y a des choses que j'ai déjà achetées le mois dernier. Bah, je commence à accumuler pour l'anniversaire de Bibou qui sera le mois prochain. Donc j'ai commencé à acheter ce dont j'avais besoin parce que moi il y a souvent des ruptures. Il y a des choses qu'il n'y a pas tout le temps, donc c'est ce que ça veut dire les ruptures. Donc dès que je trouve les choses qui m'intéressent, bah, je les prends, je cumule, je commence à cumuler pas mal de choses pour son anniversaire. Donc il va y avoir pas mal de produits Cars. Alors, il y a pour certains produits, j'aurais peut-être pas les prix, sauf si je retrouve le ticket au fond du sac, peut-être que. Mais j'en ai sur les deux, j'en ai un dessus. Donc je vous mettrai les prix à l'écran. Et si pas, bah désolé. Donc c'est parti. Je lui ai trouvé ceci. Je pense que c'est ça, il aura peut-être plus à Noël. Donc c'est une box de rangement Cars qui sert aussi de tapis de jeu une fois ouverte. Voilà. Je sais plus trop à combien je l'ai, mais c'était pas cher donc j'ai pris. Voilà. Tout ce qui est à l'effigie de Cars. Je suis très faible. Je pense qu'il sera content avec ça. J'ai repris du papier cadeau, mais là c'est du Winnie. Je sais pas si vous allez voir. Mais on aime bien tout ce qui est Winnie ourson et Cars. Donc voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Vu que là il va falloir que je fasse pas mal de papier cadeau. J'en ai pris. Ensuite, j'ai pris 10 sacs. Pour mettre quelques cadeaux que je ne vais pas réussir à emballer ou autre. Je mettrai sûrement là-dedans, ça ne coûtait pas trop cher. Je pense à l'effigie de Cars. Donc voilà. J'ai pris celui-ci. Qui pourra réutiliser. Ça coûtait quelques centimes. Ensuite, je me suis repris un Beauty Blender. Beauty Blender, qu'est-ce que je dis? Je me suis repris une éponge plongeante. Parce que je refais du stock, mais bon, là il n'y avait que les blanches, donc j'ai quand même pris. Sachant que je trouve que les blanches durent plus longtemps que les noires, elles s'abîment moins vite. Voilà. Ensuite, encore un autre petit sac. Voilà, toujours à l'effigie de Cars. Voilà. Là c'est pas du tout la même matière, hein. Mais donc, voilà. C'est tout chaud. Ensuite, j'ai commencé à prendre des ballons. Là j'en ai déjà donné un. Voilà, donc des ballons à l'effigie, pareil, Cars, on va faire tout sur le thème. Vous en doutez. Hop. Ensuite, j'ai trouvé un chat. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là, petite fouineuse? Qu'est-ce que tu lui achètes toi, Bibo, pour son anniversaire? Hein? Tu le laisses te caresser en ce moment, c'est déjà bien. Hein? Petite vilaine. Allez, descends. Fais ton bordel ailleurs. Tes poils surtout. Ensuite, je me suis pris des serviettes en papier, hein, clairement. Des serviettes de Cars. C'est ça qui est très très bien en Action. C'est que vous avez plusieurs licences. C'est cool. Attends, je vois les poils qui volent. Donc voilà, j'en ai pris un paquet. Je pense que j'en aurai largement assez. Ensuite, j'ai pris des fanions. Petite. Comment s'appelle ça? Guirlande de drapeau au plastique. Voilà, ça fait 1 mètre. Non, ça fait 5 mètres. Donc voilà, on va en mettre une dans le salon. Ensuite, j'ai pris deux paquets de cartons d'invitation. Donc toujours à l'effigie de Cars. Hein, donc ça, il va falloir que je commence à les préparer et envoyer. Voilà. Ensuite, des assiettes en carton. C'est par lot de 15. Donc j'en ai pris 15, ça sera suffisamment bien. Ensuite, je lui prends régulièrement des voitures Cars pour sa collection. Vous les trouvez à Auchan, vous les trouvez à Pickwick, tout ça, les magasins de jouets, mais ils les vendent à 8 euros, 7-8 euros.
Et à action, elles sont à 4,49. Donc je les prends à action. Là, il en a plein, plein, plein. Si je les prends pas à action, je les prends sur Ali. Là, pour son anniversaire, je vais les reprendre sur AliExpress parce que je les trouve pas à action. Mais enfin, il en a déjà une belle petite collection. Je pense que c'est plus nous, parents, qui collectionnons que lui. Et à chaque fois que je rentre maintenant le soir, il regarde si j'ai pas un sac et ah, il vient voir si j'en ai. Mais là maintenant que voilà, celle que j'achète là maintenant, je les mets de côté pour lui offrir pour son anniversaire ou pour Noël. Donc là je lui ai repris Flash McQueen parce qu'il l'a pas en version dans cette version là. Pourtant il y en a déjà 2-3 de Flash. Enfin, voilà. Mais il n'avait pas celle-ci, c'était la seule qui était disponible, qu'il n'avait pas déjà. Donc je lui ai pris celle-ci. Ensuite, je me suis pris des paires de chaussettes. Donc il y en a 3, ouais. Il m'en fallait pour cet hiver des grandes. Donc je me suis repris 3 paires de chaussettes. Ensuite, j'ai trouvé ça pour Bibou. Sachant que Tata lui en a offert une Kinder, il me semble, une Mickey, je crois. C'était, je crois que c'est Tata, enfin je sais plus. Mais il en a une, il en aura déjà, ça lui fera une deuxième pour son Noël. Mais je l'ai trouvé trop choupi, et bon, pareil, ça coûtait pas très très cher, donc je me suis dit je vais lui prendre. Ensuite, j'avais besoin de coton-tige, donc j'ai pris les coton-tiges de la marque Skin. Et essentiel. Donc il y en a 300, voilà, je les testerai, je verrai bien d'ici que je les finisse. Ce serait pas un retour tout de suite, mais voilà, j'en avais besoin, j'ai pris. Ensuite j'ai pris des petits cartons à l'effigie de Winnie et ses amis pour les paquets cadeaux. Je pense que ce sera peut-être plus pour Noël ceci. J'ai pris. Ensuite, je me suis reprise des masking tape, washi tape, comme vous voulez. Voilà, là c'était un lot. J'en avais différentes tailles. Et j'aimais bien la couleur, donc j'ai pris. Pareil, pas très, très cher. Bonjour. Ensuite, voilà pour mes toilettes. J'en avais besoin. Après, des verres en plastique, pareil, là c'est par 15, donc c'est suffisant. Toujours à l'effigie de Flash McQueen, bien entendu. Ensuite, je me suis pris un labello, donc là c'est le rose, le soft rosé. Donc c'est une édition limitée, je ne l'ai jamais testé celui-ci, donc on va voir ce qu'il donne, mais j'en avais besoin pour le boulot, donc j'ai pris. Et je me suis repris des élastiques basiques. Voilà, c'est un lot de combien? 20, 48 couleurs. Ne s'oublie pas. Bah, je sais pas combien il y en a. Mais bon, ils sont pas. Il n'y a pas de partie en ferraille là. C'est juste collé, donc à mon avis, ça va pas tenir de ouf. Enfin bon. On verra bien. Donc pour le premier sac, c'est le. C'était pas le même jour. Son père lui a pris voilà, statue avec lumière, donc l'effigie de Cars. Moi j'y étais allée et il n'y en avait plus, il n'y avait plus que des Reines des Neiges. Donc il me semble qu'on a eu 9,95 ou 7,95, enfin un truc dans le style. Mais voilà, c'était une promotion de la semaine. Donc je pense qu'il va être très très content avec ça. Il va essayer de rouler avec, je pense. Voilà. C'est cool. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si grosse. Voilà, elle est plus grosse que ma tête. Bella, qu'est-ce qu'il fait? Et ensuite, là, c'est que des voitures. Son père lui a pris un stock de voitures. Et moi aussi. Ça, c'est son père qui lui a pris. Donc là, la numéro 4. Et vous avez les petits noms là. Elles sont vraiment belles. Ça, c'est moi qui lui ai pris. Je lui ai pris Sergent. Voilà. Elles sont vraiment belles.
puis on a faim. Je lui ai pris Tex de Dinoco et il est vraiment magnifique. Il est tout doré et tout. Il est superbe. Et super grande. Elle est super grande. Sarge, j'ai vu les petits. Sarge. Ensuite, je lui ai trouvé aussi Doc en version Fabulous. Doc Hudson, il va être fou, 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 fou. Donc ouais, ça c'est pour son anniversaire. Son père lui a pris Guido et Luigi. Donc elles sont toutes à 4,49€. Voilà. Celle-ci. Elle est vraiment belle celle-ci. Donc oui, elle est un peu abîmée, hein, c'est normal. C'est une voiture de... Comment on appelle ça? Alors, aux États-Unis, il y a des courses avec des voitures comme ça. Non, je ne sais plus comment on appelle. La 117. Ensuite, encore une bien abîmée. Voici. Donc ouais, je pense qu'il va être content. Il va falloir que je commence à les emballer. Donc là, pour mes achats Action, et j'ai un colis à ouvrir. J'ai pas fait de ciseaux. C'est une commande Amazon que j'ai faite pour pouvoir stocker mes diamants de Diamond Painting. Je me suis commandé une petite boîte pilier. Je ne vais pas encore vous dire. Ça a mis une blinde d'arriver. Ça a mis la blinde de temps à arriver. Alors que j'ai commandé sur Amazon. Donc j'aurais mieux fait de commander sur Ali. J'aurais été moins surprise. Donc, vous allez voir, c'est plein de petites. Voilà. Mais bon, c'est des groupes de 4. Voilà, groupe de 4. Il n'y a pas les autocollants. Dommage, donc c'est une grande boîte où vous mettez toutes et voilà, il va falloir que je mette un petit autocollant avec la référence des diamants dessus et voilà. Donc je vais m'amuser à faire ça. Je sais pas trop combien de diamants je vais pouvoir mettre dans une boîte. Je vais voir. Et bon, voilà. Pour faire un petit peu de tri parce que là ils sont tous en sachet et mon bureau il est blindé. Donc voilà, je vous aurais mis le prix à l'écran aussi et les liens en barre d'infos pour ça. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et vos petites trouvailles Action si vous avez vu des trucs encore que j'aurais pas vu. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ciao!